Salut à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle vidéo du cinéma du soir. Aujourd'hui dans cette vidéo, nouvelles acquisitions achetées en magasin d'occasion. Il y a du DVD, il y a du Blu-ray et voilà, c'est le moment de faire une petite vidéo pour vous présenter ce que j'ai trouvé à pas très cher. Certains Blu-ray, je les ai eus à 2 euros, d'autres à 2,99 €. Quant au DVD, c'était 1 euro pièce, donc voilà. On commencera donc directement par les DVD. Premier film, j'ai trouvé L'Impitoyable avec Clint Eastwood, qui est pas trop mal comme film, comme western avec lui. Moi, je suis un grand fan de Clint Eastwood. Donc c'est un DVD qui est sur deux faces. Excellent. Voilà, le film est plutôt sympa. C'est pas son meilleur. Mais il reste quand même encore regardable au niveau du scénario. Film suivant, j'ai trouvé en DVD Cube Zero. Donc je pense que c'est le dernier de la série, il me semble. Ou c'est un préquel, je ne sais pas. Il faudrait que je revoie. Mais voilà, j'ai le Cube 1. Donc le premier épisode qui est pour moi le meilleur. Et il paraît que celui-ci est juste exceptionnel aussi. Donc, Cube Zero, DVD, 1 euro. Vraiment pas cher. Alors, ancien film des années 80, un Chuck Norris, Invasion USA, 1 euro aussi. Bon, pourquoi pas, allez, c'est pas mon acteur préféré, mais j'aime encore bien trouver ces anciens films qui sont parfois assez difficiles à trouver. Et donc, c'était l'occasion de le prendre et de le mettre dans ma collection des films des années 80, donc que je collectionne également. Film suivant, c'est pas mon préféré de lui, mais je le voulais aussi, Fire Mission avec Brandon Lee, le fils de Bruce Lee. Brandon Lee, qu'on sait qu'il a joué dans différents films comme Le Corbeau, enfin The Crow, dans lequel il est malheureusement décédé, abattu d'une balle. Et voilà, donc vraiment, petit film sympa de Brandon Lee. Je vais essayer de retrouver ses autres films. Il y en a que je cherche absolument, c'est dans les Griffes du Dragon Rouge avec Dolph Lundgren, qui est excellent, j'aimerais bien essayer de le trouver en Blu-ray, je sais même pas s'il existe. Donc si vous savez si ce film existe avec Dolph Lundgren, dites-le moi. Film suivant en DVD, film d'horreur, c'est Jeepers Creepers 2. Bien sympathique, le premier était déjà génial. Ici le 2, ça se passe dans un bus scolaire en quelque sorte, avec des jeunes qui sont coincés dedans. Et qui doivent essayer de tuer donc cette créature qui est venue, qui vient tous les 23 printemps, le 23e jour, pour se nourrir d'humains. Donc Jeepers Creepers, excellent ce film. Le premier était terrible et le deux, il est vraiment pas trop mal. Film suivant, L'Exorciste au commencement, c'est le préquel du film L'Exorciste 1, donc de 1974 de William Friedkin. D'ailleurs, il y a une suite actuellement au cinéma, enfin chez nous en tout cas en Belgique, elle est sûrement déjà sortie en France, que je vais aller voir ce mois-ci. Et donc, ceci est le préquel avec le père Meryl, père Meryl, qui est beaucoup plus jeune là, et qui va donc faire un exorcisme quelque part en Afrique, il me semble. Donc, vraiment superbe, très très bon film, je vous le conseille, c'est vraiment le préquel, le début de l'histoire de l'exorciste et de Pazuzu, le démon. Donc voilà. Film suivant en DVD, Best of the Best 3. Alors j'ai le 1 et le 2. Par contre, le 3 ici, la qualité d'image est vraiment merdique. C'est pris d'une cassette vidéo, littéralement. Je sais pas comment ils ont fait ces DVD, mais voilà. Ça n'a pas vraiment été super bien numérisé. Ça a été juste mis au format DVD. Avec du chapitrage. Et il y a même pas un choix de langue. Donc c'est lancer le film et chapitrage, c'est tout ce qu'il y a. Donc il n'est qu'en français, ici. Il est encore pas trop mal, c'est pas mon préféré, bien sûr. Le meilleur reste le premier, avec toutes les scènes de combat qu'il y a contre les Thaïlandais, je pense, qui font du taekwondo. Donc voilà. Alors maintenant, on passe ici à la série des Blu-ray. Donc, premier Blu-ray que j'ai trouvé à 2 euros dans un troc.
C'est la planète des singes, donc l'affrontement, pardon, qui est en 3D et en même temps qui est en Blu-ray normal. Voilà, je déballe un petit peu. 2 euros, honnêtement, en 3D en plus, c'est juste excellent. Moi, j'ai une télé qui fait encore la 3D et je regrette pas parce que j'ai toujours autant de plaisir à regarder des films 3D sur mon téléviseur et je trouve que c'est dommage que ça existe de moins en moins. Film suivant, Blu-ray, 2 euros aussi, Évasion 2 avec Stallone. Bon, il vaut pas le premier parce qu'on voit un peu moins Stallone en prison. C'est plus un collègue à lui qui est en prison en fait. Mais il y a des très belles scènes de combat dedans. Vers le trois quarts du film, on voit après Stallone qui rentre en prison et qui va en fait s'évader donc avec son collègue. Donc pas mal du tout. Avec d'ailleurs l'acteur qui est Dave Bautista, qu'on retrouve dans Les Gardiens de la Galaxie, qui joue le rôle de Drax. Et bah ici, il joue pas trop mal, hein. Franchement, j'adore cet acteur. Suivant, j'ai payé 1,50 €. C'est encore écrit dessus là, ça vient d'un cash converter. C'est le film Le Stagiaire avec Robert De Niro. J'ai pas encore enlevé l'étiquette, comme ça vous voyez quand même que c'est bien les prix que je mentionne et que c'est pas des prix que j'invente. Donc l'histoire est simple, hein. En fait, Robert De Niro est pensionné et pour pas passer son temps à ne rien faire, il va trouver un petit job comme ça auprès de la personne ici qui fait de la vente de vêtements dans une société qu'elle a créée elle-même. Et il va en fait vraiment l'aider par moment à résoudre certains problèmes pour sa société, trouver des solutions, etc. C'est vraiment très très bien comme film, plutôt sympa. C'est pas les grands films de mafia qu'on connaît de Robert De Niro, mais on peut le voir aussi dans d'autres registres et il excelle aussi dans ce genre de rôle. Donc vraiment très bien. Le titre en français c'est Le Stagiaire. Je vous le conseille de le regarder. Je crois qu'il est sur Netflix. Vous pouvez donc le visionner directement dessus. Film suivant, un peu plus cher, 2,99 €. Inferno, c'est le troisième volet de Da Vinci Code. Donc il y a eu Da Vinci Code, il y a eu Ange et Démon, qui se passait là au Mont-Saint-Michel. Et alors Inferno ici, c'est le troisième, avec Tom Hanks. Je me rappelle plus trop le scénario de celui-là, donc je l'ai pris. Ça m'intéressait de l'avoir. Et ben voilà, c'est 2,99 €. Ça va encore pour un Blu-ray d'occasion. Très bon état en tout cas. Garanti en plus quelques jours et ça vaut la peine des fois d'aller dans les magasins d'occasion. Ça sert à rien d'acheter toujours du neuf. Film suivant, un Quentin Tarantino que j'avais pas, 2,99 € aussi, Hellride. Alors, ce film, je me souviens plus trop, apparemment c'est avec des bikers. Et il paraît en tout cas que c'est un film où il y a pas mal de bastons, pas mal d'affrontements et. Et donc je voulais absolument la voir, donc ça reste toujours dans la lignée des Quentin Tarantino, producteur incroyable, hein, réalisateur de films incroyable aussi, il a fait que des chefs-d'œuvre pour moi. Donc ben voilà, c'est l'occasion de le prendre, je cherche encore toujours Bulletproof, je crois que c'est comme ça le nom, qui est l'autoroute ou la route de l'enfer, je sais plus le titre maintenant. En français, un nom comme ça prouve quelque chose. Alors, film suivant, je l'avais pas, 2,99 €, Interstellar. Donc, je l'avais déjà vu sur Netflix, il me semble. Il est pas mal du tout. Et je voulais l'avoir absolument en Blu-ray parce que ben, la qualité est juste mieux pour moi. Et puis surtout, j'ai le support chez moi. C'est toujours préférable. Donc deux disques ici. On a des bonus. Et on a évidemment le film en Blu-ray. 2,99 €. On va pas ne pas le prendre. Ce serait dommage. J'adore tout ce qui est film comme ça dans l'espace, comme Gravity, qui est génial. Ou encore Seul sur Mars avec Matt Damon. Magnifique film aussi. Que je conseille de regarder si vous l'avez jamais vu. Alors un film que j'ai jamais vu, mais j'ai vu quelques extraits, ça va l'air vraiment génial. C'est Jupiter Ascending. 2,99 € aussi. Et je suis curieux de voir ce que ça raconte comme film. Ça avait l'air d'être bourré d'effets spéciaux. Et donc, c'est l'opportunité pour moi de le découvrir, de un petit peu voir ce que le scénario propose. Si ça ne me plaît pas, ben évidemment, j'en revendrai.
Et si ça me plaît, ça va d'office entrer dans ma collection personnelle de Blu-ray et DVD. Alors, j'ai recommencé à racheter les Fast and Furious. Là, c'est le deuxième. Parce que j'avais eu tout le coffret à un moment donné. Mais comme ils en ont sorti d'autres, j'avais plus les autres derrière. Donc, j'ai décidé de les racheter cette fois-ci séparément. Donc, ici, on a la deuxième partie avec Paul Walker et Tyrese, l'acteur Black, ici, qui est très bon. Fast and Furious 2, il est super. Moi, j'aime bien. Et c'était l'occasion de le revoir. Film suivant, John Wick 1. J'avais jamais vu cette pochette-là de John Wick. Pochette noire, Blu-ray, de la même couleur que la pochette. Donc je ne sais pas c'est quelle édition. Je pense une édition française probablement. 2 euros, j'ai payé, voilà. On peut voir ici, 2 euros, ça venait ça du troc. Donc il y a vraiment des films à 2 euros que j'ai payé, d'autres un peu plus chers chez les Cash Converters. Et les DVD à 1 euro dans les trocs. Donc John Wick, présente plus. J'ai vu le premier, il est génial. Il faut que je voie les autres, bien sûr. Ensuite, 60 secondes chrono, j'avais avant, j'avais revendu parce que j'avais plus de place, mais finalement j'ai quand même repris. C'était un film qui est exceptionnel avec Nicolas Cage et Angelina Jolie. L'histoire, ben, vous la connaissez probablement. Ils doivent voler, je sais plus, je crois que c'est 60 voitures en une nuit, quelque chose comme ça, dans ce style. Et donc, voilà, il doit vraiment trouver tel type de voiture à voler pour un gars qui est un mafieux, en quelque sorte, qui détient le frère de Nicolas Cage, qui dit qu'il va en fait mettre fin à sa vie s'il ne ramène pas toutes ces voitures-là. Et Nicolas Cage donc s'associe avec d'anciens partenaires qu'il connaissait pour faire du vol de voitures. Voilà, vraiment très très bon, beaucoup d'action, ça bouge beaucoup dans le film, c'est vraiment génial. Et enfin, le dernier Blu-ray que j'ai payé également 2 euros, Fast and Furious 5, donc j'ai déjà le 2 et le 5. Il manquera tous les autres, il y en a 10 maintenant, donc j'ai encore du chemin pour les retrouver tous, mais je suis pas pressé, je suis pas quelqu'un qui doit tout avoir tout de suite. Donc voilà, le 5 pour moi c'est mon préféré, quand ils volent le coffre au Brésil. Je le trouve extraordinaire, ce film-là, ce scénario-là est pour moi l'un des meilleurs. Après, j'ai pas vu le 10, j'ai pas vu le 9 non plus, mais bon, celui-là déjà, il m'avait bien plu. Donc voilà, présentation de quelques Blu-ray DVD aujourd'hui dans cette deuxième vidéo de la chaîne Le Cinéma du Soir. J'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce, de mettre un petit commentaire. D'activer les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos. Il y en a pas mal de prévues dans les 2 semaines qui viennent. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao!